Good morning, Aleïden et les Sistres, aujourd'hui le Lunishman Rachar de Benfortune Mazal et Claude Yitzhak Benfortune Mazal et Shimon Ben Eliou Vekuka et Rachel Batsa. Si vous souhaitez vous aussi d'aider notre chaîne du Lunishman à contacter les 5 minutes éternelles, nous débutons aujourd'hui ma Sechet Rosh Hashanah Perigalef Mishnah et Lefarba Arba Sheshanim Hem Be'echad Ben Isan Rosh Hashanah La Melachim Vela Regalim Be'echad Be'elul Rosh Hashanah Le Maaser Be'ema Rabbe Lazar Rabbi Shimon Omrim Be'echad Betishrei. אחד בשביל ראש השנה לשנים ולשמיטין וליובלות לנטייה ולירקות. ואחד בשבט ראש השנה לאילן, כדברי בית שמאי ובית הלל אומרים, בחמישה עשר בו. מקומו הספציון מסכת ראש השנה, כמו שאומרים נדיק, לנובל און, לתת דולני, לנובל און, אלא משנה נוסעת כסש כארבעה ראש השנים הם. הידיעה הוראיתית דורשת נדה, הבראיק, יא כתח בורן, qui sont définis comme des Rosh Hashanah. C'est-à-dire qu'on va avoir des décomptes pour les années, qui vont dire, là, ça y est, on est passé dans la nouvelle année. Des fois, nous, on connaît bien sûr le Rosh Hashanah de Tishrei, c'est comme ça qu'on compte les années. Mais sachez que c'est pas qu'il n'y a pas que ça. Des fois, les années, on va avoir une autre borne qui va nous dire, ça, c'est appartient à cette année, ça appartient à cette année. Comme en l'occurrence, bientôt, tout Bishvat, ça va être Rosh Hashanah, Laïlanot, le nouvel an des arbres. On va avoir un décompte spécial, un calendrier spécial pour les arbres, quand on va compter les années, eh bien, on va dire que l'année, elle a changé à tout Bishvat, parce qu'on a changé donc d'année. D'accord? Et on explique un petit peu mieux, bien sûr, on va le prendre en détail. Bechad ben Nissan, d'abord on commence avec le premier Nissan, c'est Rosh Hashanah la Melachim ve la Regalim. C'est le nouvel an pour les rois et pour les fêtes. Le décompte des fêtes. Alors on explique un après l'autre. Melachim, c'est d'abord les rois, à savoir, aujourd'hui on a un décompte avec le calendrier fixe dans tous les pays en général, mais à l'époque, quand il y avait, donc, à l'époque des rois, eh bien, on comptait les années selon les années du règne du roi. À savoir, c'était important pour toute l'écriture des contrats, par exemple, vous écrivez un contrat, on est à la quatrième année du roi Plony. Un tel ou un tel. Maintenant, à partir de quand on compte les années? On ne compte pas depuis le jour où il a été intronisé et l'année d'après. Non, ça ne marche pas comme ça. La première année, l'année elle est fixée selon Nissan. Un Nissan, c'est le début, c'est du Psukim, tout ça. Nissan, c'est le. On change d'année. Ça veut dire que si un roi qui a régné le 29 Adar, voilà, il a été intronisé, eh bien. Il a déjà fait un an, et le lendemain, il est déjà dans sa deuxième année du règne. L'important, c'est d'écrire qu'on en dit, quand on écrit des contrats, savoir sur quel référentiel tu parles. Parce que si moi je sors un contrat que je t'ai prêté de l'argent à quatrième année du règne, et toi tu me dis, je t'ai déjà remboursé à la troisième année du règne, alors là, il y a un problème. Donc, il faut fixer un même référentiel commun. C'est à ça que ça sert de fixer selon les rois, essentiellement. À part ça, il y a aussi Velaréganim pour les fêtes. Soit les fêtes, que ça peut vous faire, vous allez me dire. C'est vrai que, c'est important, quand on lit la Torah qui écrit que Nissan, c'est Pessah, c'est Bachodesh Arishon. Et les fêtes de Tishri, c'est Bachodesh Ashvii. Donc c'est vrai, on remarque dans la Torah avait parlé que le premier mois et le septième mois, le premier mois c'est Nissan, le septième mois c'est Tishri, donc on remarque que l'offensive c'est Nissan. Mais il y a quelque chose de plus concret. C'est une marloquette, en fait, dans la Gemara, plusieurs avis comment définir, par rapport à l'interdit de Baltacher. Vous savez que lorsque vous faites un Neder, vous avez le devoir de le régler le plus vite possible. En parenthèse, c'est même en vigueur par rapport au Nedarim qu'on fait à la Tzedaka, à la Beta Knesset. Vous avez dit que vous avez jeté une Aliya, vous êtes limité. En général, ne passez jamais les fêtes. Je ne sais pas la Lacha, l'établissement qui je crois que la Lacha. J'explique d'abord le principe. On est limité, il y a un interdit de ne pas laisser traîner les vœux pour les concrétiser. Interdit de Baltacher. Que ce soit de la tzedaka, que ce soit des toutes sortes de dons d'achat à Beth Knesset, ou en l'occurrence de korbanot à faire au Beth Amikdash. Il y a une grande marloquette. Et comment définir exactement à partir de quand on transgresse l'interdit? Il y a la vie de Rabbi Shimon qui te dit qu'il faut nécessairement passer un an de fête, mais qu'il faut qu'elles doivent être selon l'ordre. Nissan, c'est-à-dire Pessah, Shavuot, Sukkot. T'as passé ça, t'as passé un an. Donc t'en as. T'as raté, si t'as fait le vœu depuis Adar, t'as laissé passer jusqu'à l'après Soukot, t'as raté un an. Alors que des fois, si t'as fait le vœu avant Shavuot, mais après Pessah,
tu auras plus d'un an et un an et un mois pour pouvoir transgresser un interdit, parce que pour le moment, Shavuot et Sukkot qui va suivre, c'est pas considéré, parce que tu n'as pas encore commencé un an, jusqu'à qu'arrive Nissan, et alors là, tu commences à passer Nissan, Shavuot et Sukkot une deuxième fois, et alors là, tu vas finir l'année, d'accord? D'où la nécessité de connaître c'est quoi une année. Ensuite, Be'echad Be'elul, ça c'était pour donc le premier Rosh Hashanah qui est en Nissan. Be'echad Be'elul, Rosh Hashanah le Ma'aser Be'ema. La Mishnah me dit que par rapport au Ma'aser Be'ema, le prélèvement du dixième des animaux nouveaux qui est né dans l'année, alors la date elle est fixée sur le Echad Be'elul, le premier Elul. Soit tous les nouveaux-nés que j'ai eus cette année de mon troupeau, que ce soit les gros bétail, menu bétail, eh bien, je dois prélever le dixième, et le dixième, ce sera un animal qui est kadosh, je dois l'amener au Beth Amikdash, et je le fais acheter et je le mange moi avec ma famille, ma sœur Bema, Nechal, l'Echol Adam, c'est pas comme le Bechor qu'on le donne au Kohen, ça, le Maser, on le mange soi-même. C'est la mitzvah du Maser Bema. Maintenant, la Mishnah, elle a insisté, c'était dû en fait par rapport au Maser agricole, le dixième agricole, la dîme, que c'est Shana, Shana. Chaque année pour son année. Tu ne prélèves pas d'une année sur l'autre. En l'occurrence, il va falloir fixer une borne. On va dire que tous les animaux qui sont nés auparavant, ils sont nés dans la même année. Les animaux qui sont nés après cette borne, ils appartiennent à la nouvelle année. Tu ne prélèves pas, si tu en as 6 ici et 4 ici, tu ne prélèves pas de l'un sur l'autre. Parce que c'est deux années différentes. Ok? Ça, c'est le principe donc du Maaser Behema. Et donc la borne, elle est fixée à Echad Be'elul, selon Tanakama. Comme lui, tandis que Rabbi Lazar et Rabbi Shimon Omrim, Bechad Betishrei. Son Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, eux, ils disent que non, la date, c'est le premier Tishrei. Ok? Bechad Betishrei, maintenant là, le premier Tishrei, le fameux Rosh Hashanah, que nous on appelle Rosh Hashanah, alors là, c'est quand même celui qui est le plus riche. Et on a la Shanim, d'abord pour le décompte des années, ça implique des années, des rois Goy. Jusqu'à maintenant, quand on a parlé de rois, c'était rois juifs. Alors pour les rois Goy, c'est fixé selon l'année, le règne de l'année, c'est la quatrième année du règne de Philippe et de Louis. Tout est fixé selon Rosh Hashanah. D'accord? La Shanim. Vela Shmitim, Vela Yovlot, ça va ensemble. C'est les sept années, à savoir ce qu'on est dans l'année de la Shemitah ou pas. Eh bien, c'est fixé selon Rosh Hashanah de Tishrei. Depuis le premier Tishrei, on est passé dans le nouvel an. Pour décompter maintenant la Shemitah. La Shemitah n'est pas établie selon tout le Shiva, selon une autre date, c'est pendant cette année, c'est en ce moment la Shemitah. Ok? Vela Yovlot, et aussi pour le décompte des Yovels. Les Yovels, c'est tous les 50 ans, c'est-à-dire dès qu'on a passé 7 Shemitah, la 50e année, marquez qu'est-ce que la 50e, 40e, 49e année? Elle a un statut de Yovel, c'est une halakha où il va falloir libérer tous les esclaves juifs. Et aussi rendre les terres qu'on a achetées, les rendre à leurs propriétaires depuis les descendants, comme le partage qui a été fait par Yoshua de la terre d'Israël. Mais la Netia, aussi pour fixer, alors là c'est important à savoir, on en a parlé dans 5 minutes il y a quelques mois, la Netia pour définir les années, depuis combien d'années l'arbre il a été planté. On n'est pas encore dans le Rosh Hashanah, il la note, c'est encore autre chose. Pour le moment c'est pour définir depuis le moment où on a planté. Soit, vous savez que quand on plante un arbre, lorsqu'on arrive en Eretz Israël, vous planterez un arbre. L'arbre, depuis le moment où vous le plantez, vous devez attendre 3 ans pour pouvoir le consommer. C'est quoi 3 ans? C'est pas 3 ans, 3 fois 365, non. C'est 3 années. Quelle est la borne? La borne, c'est Rosh Hashanah. Et donc, en fait, il s'avère que maintenant, si on a planté un arbre 45 jours avant Rosh Hashanah, depuis le 14 Av, c'est nécessaire, je vous expliquerai un peu pourquoi il faut nécessairement 14 Av. Eh bien, on va considérer que, hey, ça y est, tu l'as déjà fait. Arrive Rosh Hashanah, tu as déjà fait un an. La deuxième année et la troisième année, et tu pourras déjà consommer les fruits. D'accord? Ça, c'est la Netia. Pourquoi 45 jours, entre parenthèses? Parce qu'il faut que l'arbre reste quand même planté pendant 30 jours durant l'année, pour que ça s'appelle une année. Et en plus de ça, avant que l'arbre il soit considéré comme planté, depuis le moment où on le met dans la terre, il faut qu'il soit niklat. Il faut qu'il soit intégré dans la terre. Pour qu'il s'intègre dans la terre, ça lui prend 15 jours. Sinon, vous avez une graine qui est déposée entourée dans de la terre, mais elle n'a pas commencé à s'implanter, à prendre vie dans la terre, donc c'est pour ça qu'il faut 45 jours. La Yirakot aussi, pour fixer, alors là, Yirakot, on va en avoir besoin pour la suite aussi pour tout Bishivat, pour expliquer.
Irakot, c'est pour définir les années de Maaser. Deux Maaser Rishon et deux Maaser Sheni. Lorsqu'on doit deux choses à savoir. Premièrement, lorsqu'on a une récolte, les différents prélèvements à faire. On prélève un 50e, on donne au Kohen, c'est la Trouma Gdola, 40e, 50e, 60e. Ça dépend de votre largesse. Premièrement, donc, c'est la Trouma Gdola. Après, on prélève le Maaser Rishon. Le premier Maaser, on prélève un dixième de ce qu'il y a et on le donne au Lévi. Donc, si vous avez eu 100 kg, vous devez donner 2 kg pour le Kohen. Après, sur les 98 kg restants, vous donnez 9,8 kg au Lévi. Et puis après, sur ce qui reste, eh bien, vous allez devoir prélever un nouveau dixième. On en était à combien? Vous avez 2 kg, hein, on est arrivé à 88 et quelques, 88,2 je crois. Alors, sur le 88,2, vous allez prélever maintenant 8,82 kg, vous allez avoir le Maaser Sheni ou Ani. Ça dépend des années, justement. Les années 1, 2, ça marche en par triplé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et après, la 7e année, c'est l'âge 8. 1, 2, c'est ma sœur Chénie, tu prends les fruits, tu les amènes à Jérusalem, tu les manges toi. 3e année, tu donnes aux pauvres. On les rebelote. 4, 5, tu es ma sœur Chénie. Et 6, tu les donnes aux pauvres. 1, 2, 4, 1, 2, 4, 5, c'est ma sœur Chénie. 3, 6, c'est ma sœur Annie. Et alors maintenant, la Mishnah nous dit, ben, sache que la borne pour fixer les changements d'année pour les légumes, c'est Rosh Hashanah. Donc, les légumes que tu as cueillis avant Rosh Hashanah, ils appartiennent à l'année précédente. Donc, si c'était une année de Maaser Sheni, tu donneras le Maaser Sheni. Même mieux que ça, même par rapport au Maaser Rishon, comme ce qu'on a évoqué en haut pour les animaux, tu ne peux pas prélever d'une année sur l'autre. Maintenant, tu as prélevé et tu as cueilli des fruits avant Rosh Hashanah et tu cueilles des fruits après Rosh Hashanah. Tu ne pourras pas prendre le Maaser Rishon de l'un sur l'autre parce que c'est une année sur l'autre, tu n'as pas le droit de prélever, c'est Shana Shana. Chaque année, tu la prélèves indépendamment, même pour le Maaser Rishon. Ok, donc il y a deux conséquences à définir, pour lesquelles il faut définir quelle est la borne à partir de laquelle tu dis qu'il y a eu un changement d'année pour les légumes. Une première conséquence pour prélever le Maaser Rishon d'une année sur l'autre, et une deuxième pour savoir à partir de quand tu changes le Maaser Sheni, que tu es passé dans une nouvelle année. Ça, c'est pour les légumes. Par contre, pour les arbres, c'est différent. Marloket Bechamay Bet Hillel, est-ce que c'est depuis le premier Shvat ou 15 Shvat? Be'echad Bishvat. Rosh Hashanah Laïlan. Le premier Shvat, c'est le nouvel an pour les arbres qui est livré Bet Shammai, selon l'avis de Bet Shammai. Tandis que Bet Hillel Omrim, selon Bet Hillel, Bachamisha Asarbo, pour le 15 Shvat. C'est comme ça qu'on revient à la Lacha, Toubi Shvat, on célèbre Toubi Shvat, que c'est le changement des années. Quel est le principe d'abord? Donc on a fixé pour les arbres, ça ne fonctionne pas selon les Rosh Hashanah quand elle est rentrée, mais bientôt il va y avoir Toubi Shvat. Et là, on va dire que maintenant, les fruits qui ont poussé jusqu'à maintenant, qui ont fait Hanata, qui ont éclos, qui sont devenus, donc les bourgeons ont éclos et qu'ils ont commencé à pousser, même si on ne les a pas encore cueillis, ils sont établis qu'ils appartiennent à l'année précédente. Les nouveaux bourgeons qui ont commencé à bourgeonner depuis tout Bishvat, jusqu'à la suite, alors là, ils appartiendront à l'année d'après. Donc le changement, par exemple, imaginez que l'année dernière, il fallait prélever le Maaser Sheni. Cette année, il faut prélever le Maaser Ani. Ben pour les fruits, ça va fonctionner que les fruits qui ont bourgeonné jusqu'à Toubi Shvat, eh bien, il faudra prélever le Maaser Sheni, même si on est déjà dans l'année du Maaser Ani, parce que pour les fruits, on n'a pas encore changé d'année. Donc les fruits qui ont bourgeonné depuis avant Toubi Shvat, selon Bet Hillel, ils appartiennent à l'année d'abord qui est encore du Maaser Sheni. Arrive Toubi Shvat, les nouveaux fruits qui vont bourgeonner, ils appartiendront à l'année suivante, ce sera le Maaser Ani. Pourquoi maintenant pourquoi on fonctionne comme ça selon Toubi Shvat? C'est très simple. L'arbre il emmagasine, c'est comme ça que c'est expliqué dans les Mefarshim. L'arbre il emmagasine de l'eau, essentiellement des forces de vie, puis il commence à déclencher les processus pour faire pousser les fruits, jusqu'à ce que le fruit va se mettre à éclore et pousser. Jusqu'à Toubi Shvat, on considère qu'en réalité, les fruits qui va, si jamais il a réussi à bourgeonner pendant les premiers mois de l'hiver, ben les bourgeons qu'il y a, c'est parce qu'en fait, parce qu'il a essentiellement bu de l'année précédente. Donc du coup, il a pris des forces de l'année précédente pour ensuite faire bourgeonner. Ce qui va éclore à partir de Toubi Shvat, alors c'est que ça va éclore logiquement à partir des forces qu'il a emmagasinées depuis le début de l'année de Rosh Hashanah qui est passée. C'est en fait pour ça que c'est comme ça que j'avais vu le Ran, je crois, qui explique comme ça dans Rosh Hashanah.
qui explique donc pourquoi c'est fixé sur tout l'Ishvat. C'est pourquoi c'est vraiment original. Parce qu'en fait, si vous avez, comme je dis, si vous avez un fruit qui va se mettre à éclore et à pousser en Cheshvan, c'est ce que vous voyez, c'est la conséquence de ce qu'il a, puisé depuis pendant toute l'année précédente. Donc prélève en fonction de l'année précédente. Ok? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.